Il y a Mister François. Non, qui arrive. François. L'homme de l'ombre. L'homme de l'ombre. Sans qui rien ne peut se faire. C'est pas pour rien que j'ai stoppé ça. C'est justement pour que, comme je t'ai dit, si tu entends un morceau en texte a cappella, tu comprends tout. Tu bois les paroles. Tu bois les bonnes paroles. C'est pas pour rien que j'ai arrêté comme ça. Il n'y a plus d'artifice. On va à l'essentiel. Donc c'est ça que j'essaie de faire. C'est ça qu'on essaie de faire, Abdelroy. Non, c'est positif, comme tu disais, c'est vrai, c'est des choses du passé. J'ai pas honte. Moi, pour moi, comme je t'ai dit, le message, il évolue. C'est-à-dire qu'il atteint une autre maturité. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Je crois tout de suite que tu vois, t'es plus dans la musique, ça y est, t'es plus dans le coup. Au contraire, c'est pour rester dans le coup. Au contraire, c'est pour rester dans le coup que j'ai fait ça. Pour rester dans le coup. Comme ça, ils comprendront. Ceux qui me connaissent, ils savent, mon frère. C'est les paroles, l'héritage prophétique qu'on a eu, hein, il faut l'entendre. Et tu pourras mieux avancer. Et quelqu'un qui est dans le noir, qui te dit je vois clair, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de comparaison entre l'aveugle et le voyant. Donc on avance. Inch'Allah. Et sinon le travail, ça va quand même? Dieu merci, comme je te disais, il faut bouger. Je suis en milieu dans la restauration rapide où il y a beaucoup de publicité, beaucoup de concurrence, donc il faut se bouger tout le temps. C'est un challenge à réussir, c'est-à-dire que ça part du prospectus jusqu'à la livraison de la pizza chez le client. Donc on est obligé de se battre tout le temps. Qualité, service, rapidité, accueil. Aujourd'hui c'est ça, il y a d'autres projets qui arrivent encore au niveau du travail. Et il faut œuvrer parce que nourrir sa famille, il n'y a pas meilleure œuvre qu'on puisse faire sur Terre, qu'un être humain puisse faire. Donner de l'argent à ses parents, à ses enfants. Un truc simple, banal, mais au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui n'arrivent même pas à remplir cette petite responsabilité. Ça, c'est le minimum. Nous, on est là, on est juste des messagers, quoi. On rapporte, on est juste l'écho du Seigneur. La bonne parole, mon frère, il ne faut pas oublier. C'est si les gens écoutaient un peu plus, tendaient un peu plus l'oreille, il n'y aurait pas tout ce capharnaüm. Parce que c'est vraiment un désordre, un chaos immense. Quand on regarde là, c'est... Comme disait un ancien collaborateur dans le son, il disait qu'il était spectateur du désastre, orateur du chaos. Et voilà, aujourd'hui, je le reprends en texto.